On entend souvent, on paye trop d'impôts, il y a trop d'impôts, il y en a marre des impôts. Mais les impôts, c'est quoi? L'impôt, ça sert à répondre à l'intérêt général, à l'intérêt public. Ça sert pour nos routes, pour nos écoles, pour nos policiers, nos tribunaux. Ça sert pour les soignants, ça sert dans les EHPAD, ça sert au bien commun. Et on nous a fait rentrer dans la tête qu'on payait trop d'impôts. Bah oui, effectivement, la vie pour beaucoup de gens, avec les impôts, elle est un peu plus compliquée. Certainement, beaucoup payent trop d'impôts, mais un certain nombre aussi n'en payent pas assez. La question, c'est juste la question de la répartition et de la justice sociale. La vision de l'impôt d'Emmanuel Macron et de ses amis, mais également de Jordan Bardella, de Marine Le Pen, c'est en fait... donner au privé, aux intérêts privés, tout ce qu'on a mis des décennies à construire, qu'on a pu mutualiser tous ensemble, grâce à l'effort, grâce au travail de tous et de toutes, quoi, grâce à la richesse qu'on a produite. C'est une vision idéologique. On peut fonctionner complètement différemment. On l'a déjà fait en partie. Ça se fait partout dans le monde. L'impôt, c'est la contribution de toutes et tous au service du bien commun, au service simplement de la cohésion sociale pour qu'on vive tous correctement dans la justice, dans l'égalité, la recherche de l'égalité. Et c'est quelque chose d'important. Alors, basta le discours qui vient sans arrêt saper cet esprit collectif et oui à une justice sociale, à une justice fiscale.